Bon, alors, commente ce que tu fais, toi, la petite, là-bas. Nous avons un plat, une galette simplement garnie. Alors ici, ça va être pour la végétarienne du groupe. Donc, on a juste oignons champignons avec une petite béchamel à la farine de sarrasin et avec une touche de curry. Voilà. D'accord. Et sinon, les autres qu'on a fait pour le reste du groupe, on a rajouté du poulet émincé. D'accord. Et ça va se présenter comment ? Alors, on les prépare en avance sous forme de pavé et on les stackera à la dernière minute avant de servir sur la planche. D'accord, c'est parfait. Au groupe et puis on mettra peut-être quelques éléments décoratifs dans l'assiette. Très bien, Olivia. Patrick, où sont les pistoles de chocolat ? Là-bas, dans la boîte de bâche. Je m'appelle Patrick. Moi, je fais une petite sauce pour les crêpes dessert avec de l'orange, du miel, des coulis gras. Ouais. Que je fais réduire et au dernier moment, je mettrai un petit peu de piment, de poivre de Madagascar, et si c'est bien réduit, on pourra le napper sur la crêpe comme ça. D'accord. La crêpe qui elle-même sera fourrée au suprême d'orange. Non. C'est bien de se lancer. C'est fou, bon. Hein. On va voir ça tout à l'heure. Crêpe de Noël, tu vois. D'accord. Alors après avoir délibéré, nous avons choisi de faire pour le dessert une crêpe orange chocolat. J'explique comment. Ah oui, il faut l'expliquer. Alors, donc, j'ai pelé les oranges à vif, j'ai prélevé les citrons, que j'ai fait cuire. Alors attention, hein, pour l'info, ne pas cuire trop longtemps les citrons parce qu'ils se délient. Juste de faire revenir dans du beurre avec du miel. Et dès qu'ils ont à peine chauffé, on les retire. Là-dessus, j'ai pressé des oranges que j'ai rajoutées au sucre qui restait dans la poêle. Et là, j'ai rajouté un peu de beurre, du miel, pour que ça épaississe un peu. Ensuite, j'ai fait fondre des pistoles de chocolat avec de la crème. Et au final, je vais dresser ma crêpe avec mes suprêmes d'orange, un peu de coulis d'orange et en garniture un peu de chocolat. Alors, petite parenthèse, j'ai trouvé une petite bouteille de Cointreau que Patrick n'avait pas bu et j'y ai rajouté quelques bouquets. Voilà. Ça va forcément être beau, hein? Ça va forcément être bon parce que le Cointreau, il y a une base d'orange quand même, il ne faut pas oublier. Donc, j'ai trouvé la bouteille juste oui, une toute petite. Non, pas du tout. Ah ben voilà, c'est tout. Voilà, c'est génial. Et ce sera présenté comment ? À l'assiette, en samoussa, en comment ? À l'assiette. À l'assiette. Bon, ben, on n'attend plus que de goûter. Prends une deuxième. Oh, c'est bien, hein. C'est bien, hein. C'est vraiment bien. Thank you.
a step back to see the truth around you. From a distance you can tell.